Hey, bonjour YouTube. Comment vous allez YouTube? Je convie tout mon chat à vous saluer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes tous gentils. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh ben, ça va être le grand mystère. Moi, je vous propose un petit roulement de tambour. Je suis prête là, de toute façon. Le roulement de tambour insupportable. C'était nul. Je crois. C'était nul. Boîte Woodbox. Boîte de... Bon, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est cette boîte. Et donc, je vais maintenant vous laisser la moi du passé pour vous expliquer ce qu'est cette boîte. Donc, c'est une boîte Woodbox. Du coup, c'est une boîte à thème où dedans, vous trouverez du coup 5 produits d'une valeur au total de 60 euros. Chaque mois, de nouveaux produits sont présents dans les boîtes avec, bien entendu, des thèmes différents. Vous pourrez du coup trouver une figurine, un t-shirt, des accessoires et bien entendu un pins de la part de Woodbox. Et vous pouvez du coup trouver cet abonnement mensuel ou par an entre 22,99 ou 20,99 euros le mois. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller dans la description, je vous mets du coup mon lien affilié où vous pouvez du coup commander du coup des Woodbox. Bien entendu, il y a déjà des box qui sont déjà sortis à thème, par exemple il y a Harry Potter, Assassin's Creed, Star Wars, et si vous avez un abonnement, bien entendu la boutique du coup est moins chère. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et ben voilà, maintenant que la moi du passé a parlé, je vais pouvoir vous laisser regarder cette vidéo. On est au mois de juillet. Juillet, nous sommes le 15 juillet quand je la reçois et quand je l'ouvre. C'est merveilleux, c'est un beau jour. Je pars en vacances ce soir, ça va être génial. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez revoir cette vidéo. En fait, ça va être assez long peut-être. On va éviter de faire comme la dernière fois, faire tout tomber en essayant de montrer ce qu'il y a dedans. Parce que voilà. Mais je peux faire ça. Oh, le bouton. Alors, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Marty. J'ai une figurine de Marty dans Retour vers le futur. Mais c'est merveilleux. Oh, attendez. Oh, non. Cher Wouter, ça fait maintenant 3 mois que vous faites partie de notre belle communauté d'abonnés. Merci. C'est juste une... Ah, pardon. Excusez-moi, c'est une carte de Woodbox me disant... de continuer mon abonnement. Bah, vous inquiétez pas, Woodbox, je continuerai quand même mon abonnement parce que je trouve ça vraiment sympa et vraiment cool. Oh là 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 là. Retour vers le futur, un film que j'adore depuis ma tendre enfance. Oh là là, d'ailleurs, un des films que j'ai le plus. Ils sont là, les verres à Shadow Doom du mois dernier. Vous vous souvenez du mois dernier, j'étais en mode les verres à Shadow Doom, non. Et bah si, ils sont là. On va chercher du rhum. Faites péter le rhum. Bah non, parce que je conduis après. Oh là là. Oh. C'est si beau. Doom. Ah, y'a de quoi mettre dedans, hein. Bon, attendez, maintenant on va regarder... Alors, le petit journal. Figurine pop, retour vers le futur, Marty McFly, de 15 euros. T-shirt Rick et Morty. Du coup, this is a t-shirt Rick et Morty. On va le déballer. Effectivement, pour décoller peut-être. Eau chaude pour décoller? Bah, faudrait que j'essaye. Dites-moi que c'est du S, s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression qu'il est vachement grand, ce machin. Et l'US, c'est bien. T-shirt Rick et Morty. J'ai jamais trop regardé, mais je sais que c'est un bon truc. Enfin, c'est toujours nouvelle avant l'heure quand tu regardes des trucs Woodbox. Ensuite, nous avons Soundbox Marvel. Musique, phrase culte et son emblématique. Fermez les yeux et plongez-vous dans l'univers de Marvel. C'est quoi ce bordel? Attendez, faut que je retire un écouteur. Attendez, on va couper la musique parce que s'il y a des trucs à écouter, bah c'est mieux s'il n'y a pas de musique quoi.
J'ai aucune des références. J'en ai vraiment aucune. Si, là, a priori, c'est Spider-Man. Là, ça serait Captain America. Iron Man. Là, ça serait Thor. Là, ça serait Hulk. Et après, j'ai pas. Et là, ici, nous avons une petite peluche Superman. De la part de Woodbox. Voici Superman, le héros de l'univers. J'avoue, ils lui ont fait carrément sa petite mèche là-devant, là. Hop là. Ouais. Il lui manque juste une petite bouche, ça aurait été pas mal, hein. Une petite bouche, non? Non? Pas de petite bouche. Bah voilà, il va être dans le décor, hein. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer où est-ce qu'on va le mettre. On va le mettre... Alors, vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes prêts. Je pense qu'on va le mettre... On va le mettre où? Je réfléchis, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse. On va le mettre là. On va essayer de l'asseoir. Ah, ça marche pas. On va le mettre là, alors. Là. Vous le voyez bien? Il sera bien ici. Il sera très très bien. Moi, c'est moi qui vous le dis. Donc ça, voilà, poubelle. Ouais, si j'ai tout, ça va pas le faire. Après, je vais devoir tout ranger. Oh là là, quelle merveille. Ah oui, le pins. Regardez. Et le magnifique pins. Est géant. Que c'est bien Star Wars. Star Wars est géant. Est-ce qu'ils disent que c'est Star Wars? Ajoutez votre pin à votre uniforme et soyez prêts à traverser les portes des étoiles pour... Ta-na! Dans ce sens-là, s'il te plaît. Ta-na-na-na-na. Oh là là, il est merveilleux. Oh oui, Stargate. Bah voilà, c'était la box du mois, du coup. Bah, en tout cas, je remercie fortement YouTube d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Je vous souhaite du coup à vous tous et à vous toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et un bon appétit. Beaucoup de mots. Au revoir tout le monde et à la prochaine. High five.